Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue en ce temps d'atmosphère de prière prophétique. Nous voulons rentrer dans la présence de Dieu. Nous voulons laisser le Seigneur prendre toute la place. Nous voulons le laisser dominer toutes choses. Là où tu es, si tu peux commencer à élever la voix en langue, parce que nous désirons lui rendre grâce encore pour aujourd'hui, lui rendre grâce encore pour ce soir, parce que tous les soirs, tous les jours, notre Dieu est là, il est fidèle. Le matin, il nous réveille, il nous tire de lui, il nous permet d'être dans sa présence, il nous garde tout au long de la journée. Et le soir, rends grâce à Dieu parce que c'est lui qui t'a gardé. C'est lui qui t'a gardé en vie. C'est lui qui t'a protégé pendant toute la journée. Alors, ne commence pas ce temps sans lui rendre grâce. Parce que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis. C'est pour cela que nous voulons lui rendre d'excellentes actions de grâce. Nous voulons lui rendre d'excellentes actions de grâce. Et pour rendre d'excellentes actions de grâce, rien de mieux que prier en langue. Parce que quand tu pries en langue, tu rends à Dieu le Père d'excellentes actions de grâce. Allez, continue à élever la voix langue, continue à élever la voix. Si tu parles en langue, élève la voix. Parce que nous voulons le bénir, nous voulons le célébrer, nous voulons à lui dire comment nous sommes reconnaissants. Sois en paix, l'adoration, à des rochers, des cœurs que tu as sauvés. Je veux t'adorer, la braque à la gauche des papas et des rochers. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. À ce soir, je te laisse toute la place.
grâce, mon Dieu, je veux t'adorer. Ah, je veux me livrer totalement, m'abandonner. Je veux t'adorer. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis que. Oh, je suis qu'une paille qui dissipe, qui se dissipe. Calme-moi, Jeanne. Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? Oh oui, je veux me lier dans ta présence. Oh oui, je veux t'adorer. Aïe, oh. Et encore, tu es le Dieu de ma vie. Andébauché, débaïa, nababacha, nababacha. En toi, j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration des cœurs, oh, que tu as sauvé. Je veux t'adorer. À toi, esprit, âme et corps, je veux t'adorer. Je suis à toi, Seigneur, mon corps chale. Que tout en moi se livre totalement. Je veux t'adorer. Que tout en moi s'aime. Reconnaisse que tu es le maître, le Seigneur de Seigneur. Je veux t'adorer. Allez, prochain. Est-ce que tu es en train d'adorer ton Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux lever la voix? Est-ce que tu peux t'humilier pour adorer ton Dieu ce soir? Je veux t'adorer. Est-ce que tu peux rentrer en toi-même pour le célébrer ce soir? Oh. Je veux t'adorer. Est-ce que tu peux t'humilier totalement pour lui laisser toute la place? Oh oui, ce soir. Je veux Parce que je reconnais
que sans toi je ne peux rien faire. C'est pour cela je m'abandonne. Pas d'abandon, pas d'abandon, je suis né au Père. Nous t'adorons. Pas de rochata, oh oui, oh, à la paix. Pas d'abandon, pas d'abandon, je suis né au Père. Les démons viennent prendre toute la place en ces lieux. Oh, abracadabra, je suis né au Père. Nous t'invitons, viens te déverser comme jamais. Viens saisir, Seigneur, viens nous saisir ce soir. Viens saisir, possède-nous, gouverne-nous, gouverne-nous, possède-nous, dirige nos vies. Nous sommes à toi, Seigneur, nous nous abandonnons pour ta libre, pour la. Viens faire ton ministère ce soir, oh, à travers nos vies. Babochala, que ta main soit étendue ce soir pour délivrer les captifs. Oh, Babochala, que ta main soit étendue ce soir pour guérir les cœurs brisés. Oh, Babochala, que ta main soit étendue ce soir pour rendre libre les opprimés. Que ta main soit étendue ce soir pour que les aveugles découvrent la vue. Que ta main soit étendue ce soir, nous te supplions. Viens à la bouche de bouche, Seigneur, nous t'attendons. Que ta main soit étendue ce soir dans nos vies. Que ta main soit étendue ce soir comme jamais. Que ta main soit étendue ce soir afin que les aveugles découvrent la vue. Que les sourds entendent, que le muet voit et en parle. Que les aveugles voient au Kabashanabaya. Yekala, viens accomplir de miracles, de signes et de prodiges dans la vie de mon frère et de ma soeur. Quiconque qui entre en Yadama, quiconque qui entend ce temps, que la présence des dieux soit manifeste et touche le vide. Viens Seigneur accomplir et dans ta main afin qu'il se produise des miracles, des signes et des prodiges au Kabashanabaya. À l'honneur et à la gloire de ton Seigneur, viens te mouvoir, Kabakaba, viens guérir les cœurs brisés, viens guérir les cœurs brisés, au Kabashadabaroche, viens délivrer les captifs, viens délivrer les captifs, au Kabababababosha, viens rendre libres les opprimés, viens rendre libres les opprimés, au Brachadabababoshaya, viens guérir les malades. Que les malades et les infirmes soient guéris ce soir. Païda Baba Baroche, Pokabaka Baba Baroche, que ta main soit étendue ce soir, nous te supplions. Païda Baba Baba Baroche, que ta main soit étendue ce soir, afin que les opprimés soient rendus libres. Yaka Baroche, Pokaket, que toutes sortes d'oppressions pour que soient réprimées dans nos vies. Que toute forme de forteresse soit renversée dans nos vies, dans les noms de Jésus. Que les raisonnements soient renversés, que le hauteur soit renversé dans les noms de Jésus. Oh, babababosha, que la vie des dieux, oh, kababababosha, et kababababosha, patrouille du sommet de nos têtes jusqu'à la plante de nos pieds. Viens te mouvoir, viens te mouvoir comme un chat. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh, 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 oh.
Laisser le plein pouvoir. Quelle que soit la maladie, l'infirmité, quelle que soit la situation, laisse le plein pouvoir à ton Dieu. Adorer Dieu, c'est lui laisser le plein pouvoir. Adorer Dieu, c'est s'abandonner totalement. Adorer Dieu, c'est lui dire, oh moi, je n'ai pas le pouvoir. Je te laisse le pouvoir, je te laisse contrôler ma vie, je te laisse diriger ma vie, je te laisse gouverner ma vie. Ah, c'est ça que nous disons quand tu dis adorer, quand tu entends adorer, c'est laisser au Saint-Esprit le plein pouvoir afin de prendre possession de ta vie, de se saisir de ta vie et de faire de ta vie ce qu'il veut. Parce qu'il nous a rachetés esprit, âme et corps. Jésus-Christ nous a rachetés esprit, âme et corps. Nous sommes la possession exclusive de l'Éternel. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Nous sommes à toi, à toi, esprit, âme et corps, nous sommes à toi, ah, nous sommes à toi, esprit, âme et corps, nous sommes à toi, nous sommes à toi, nous sommes à toi, oh, nos vies t'appartiennent, nous sommes à toi. T'appartient, mon âme t'appartient, je suis à toi. Aïe, de vos chagas, mon corps t'appartient, je suis à toi. Aucun de vos chagas, tu m'as racheté au plus fort, alors je t'appartiens. Fais de moi ce que tu veux, ah, utilise-moi pour mon descendre. Amène-moi où tu veux parce que je suis à toi. Je suis esclave, je suis doulos, je suis au cabra-cabra-cabra-cabra-cabra-cabra. Mon cœur t'appartient, ah, je te donne mon cœur. Fais de mon cœur comme tu veux, à toi. Et de bra-cabra-cabra-cabra-cabra-cabra-cabra. Ah, je suis à toi. Yendabraka, est-ce que tu es en train de te livrer totalement? Est-ce que tu es en train de t'abandonner totalement? Est-ce que tu es en train, Yendabraka, babababababababoshede? Ah, je suis à toi. Oh, kabraka, babababosh, ah, ma vie est à toi. Ah, Yendabraka, tout ce qui me concerne est à toi. Ma vie t'appartient, au Kabochai, mon mariage est à toi.
Ma femme est à toi, mes enfants sont à toi, tout ce qui me concerne, oh, est à toi. Il y a mes études sont à toi, mon travail est à toi, à toi, à toi. Accorde-moi la carte de prendre conscience, rien ne m'appartient. Je ne suis qu'un administrateur parce que tout est à toi. Tout est à toi, rien n'est à moi. Tu m'as positionné pour administrer. Je ne suis qu'un simple administrateur, mais tout m'appartient. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de prendre conscience. Viens de Brachana Baba, mon avenir est à toi. Mon avenir est à toi, à toi, à toi. Yaka de Brachana, Koda Baka Baba Baba Bosha. Yaka de Brachana, je suis à toi. Esprit avec corps, Kada Baka Baba Baba Bosha. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de prendre conscience. Que faire comme si tout m'appartenait, que faire comme si j'avais quelque chose. Oh non, oh bababa, je n'ai rien qu'à bababa, bababa. Je suis venu lui sur la terre, je retournerai poussière. Baba, ma terre, ma présence est sur la terre. Je reconnais tout est à mon Dieu, je suis là pour servir à mon Dieu, je suis là pour vivre tout son bon plaisir, je suis là pour accomplir toutes les volontés de mon Dieu, afin quand je partirai, oh il y aura un témoignage, oh mais pour David, celui qui a accompli toutes les volontés du Seigneur, accorde-nous la grâce Seigneur, que nous aussi, que nous puissions accomplir toutes les volontés du Seigneur, les volontés du Seigneur, toutes les volontés. Oh Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ce que tu as prévu pour moi, à côté de tout ce que tu as prévu pour cette église. Oh la bouche, la bouche, la bouche, la bouche, oh la bouche, je suis à toi. Cobra cabaya da pacha, yeka na boche de baba, boche de baba, cobra cababa baba 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 boche de baba baba, adre boche. Oh, ma famille est à toi, adre boche da baba baya de boche. Mes enfants sont à toi, adre boche da baba baba boche. Nos parents sont à toi. Mon travail est à toi. À ma vie t'appartient. Tout est à toi. Donc abra cabaya. Pour les bouchers des baillants. Aïe, baba, 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 baba. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, Galates 4, pour qu'on débranche verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Bien-aimé, cette parole qui nous dit aussi longtemps l'héritier est enfant, il ne diffère de rien d'être esclave. Quoi qu'il est maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Bien-aimés, nous sommes rachetés, esprit, âme et corps. Ne te comporte pas comme un enfant. Ne te comporte pas comme un enfant. L'enfant ne se rend même pas compte. L'enfant ne sait pas agir et pense que les choses sont à lui, alors ce n'est pas à lui. Un enfant n'a pas pris conscience que tout ce qu'il est en train de faire, il y a un propriétaire. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui a payé le prix pour nous. Esprit, il a payé par son sang précieux pour nous racheter. Pour que nous soyons adoptés, bien-aimés. Nous sommes rachetés. Nous sommes adoptés. Nous appartenons à lui. Quand les temps se sont accomplis, quand tu arrives à la maturité, avec la maturité spirituelle, tu prends conscience que j'ai été racheté. Je ne suis plus un enfant. Je ne marche plus sur la terre comme si j'étais simplement un serviteur. Que le serviteur ne demeure pas dans la maison, mais le fils demeure dans la maison. Moïse a servi dans la maison de Dieu, alors que Jésus le Christ a servi dans sa maison en qualité de fils. Et toi et moi, nous sommes des fils. Quand tu prends conscience que tu es héritier, tu es co-héritier, ça veut dire que tout ce qui est à Jésus le Christ est à toi. Un enfant de Dieu qui a grandi, qui est devenu mature spirituellement, il sait que tout vient de Dieu, tout vient de lui, de Jésus le Christ, tout vient de lui. Tout est fait par lui et tout est pour lui. Amen. Un enfant de Dieu prend conscience. Quand tu grandis spirituellement, tu deviens mature. Alors tu vas prendre conscience que tu es co-héritier. Ça veut dire que tout ce qui est à lui est aussi à toi. Amen. Amen. Mais tu dois prendre conscience. C'est à lui. Ça veut dire que c'est à lui. Toi, tu es racheté. Parce que si tu prends conscience que tu es racheté, alors il te rend co-héritier. Tu es co-héritier. Et quand tu es co-héritier, alors ce qui se passe, alors tout est à toi. Ton corps est à toi. Ton corps est à lui. Ta vie est à lui. Tout est à lui. Amen. Tout ce que tu fais est à lui. Amen. En agissant ainsi, alors tu vas voir ce que le Seigneur va faire.
Tu vas prendre conscience alors que, en réalité, si tout est à lui, donc tout est aussi à moi. Amen. Parce que je suis aussi héritier. Amen. Je suis aussi, je suis co-héritier. Ça ne veut pas dire que nous partageons les choses avec Jésus. Ça ne veut pas dire co-héritier, ne veut pas dire que Jésus a des choses et nous avons une partie des choses. Co-héritier veut dire que ce qui est à lui est aussi à nous. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette parole. Alors quand tu donnes gloire à Jésus le Christ, quand tu dis que tout est à toi, toute ma vie est à toi, ça veut dire que tu as compris que tu as été racheté. Tu as compris l'héritage qui s'est passé. Si tu as compris l'héritage, alors tu as compris que tu possèdes cet héritage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'a pas compris l'héritage. C'est pour cela qu'il ne peut pas hériter. Aussi longtemps un enfant est bébé, il ne peut pas arriver à ce niveau de maturité. Alors, il reste sous le contrôle des tuteurs, d'administrateurs, jusqu'au temps fixé. Ça veut dire jusqu'à ce que tu deviennes mature, jusqu'à ce que tu prennes conscience de cette parole que tu es racheté. Alors tu deviens serviteur de l'os. Alors tout, tu sais, tout est à toi, à toi, à toi, à toi. Aïda Bosha Daba Babaya. Ma vie t'appartient à toi. Oka Bosha Daba Baba. Tout ce qui me concerne est à toi. Oh, mon avenir est à toi. Mon entreprise est à toi. Mon futur est à toi. Ma vie est à toi. Accorde-moi la grâce de pouvoir comprendre, de réaliser. Parce que, oh, ce soir, le Seigneur est en train de me faire monter à un niveau de maturité. À un niveau de maturité, afin que tu quittes l'enfance, que tu quittes l'enfance, que tu ne sois plus un bébé, que tu ne sois plus un enfant, que tu quittes l'enfance et que tu rentres dans la dimension des serviteurs doulos, des hommes et des femmes, et qui savent que tout appartient à Dieu, qui savent qu'ils sont achetés, ils ne sont que des intendants sur la terre. Oh, mon foyer est à toi. Mon épouse est à toi. Je ne possède rien sur la terre. Tout est à lui. Je bénéficie parce que c'est lui qui me restitue. Parce que j'ai atteint la maturité. Quand tu atteins la maturité, alors tu peux expérimenter, tu peux vivre. Tu peux vivre avec la grâce d'aimer. Si tu ne comprends pas cette parole, tu vas croire que ce que tu as sur la terre est à toi. Tu vas croire que le travail là que tu as trouvé est à toi. Et tu vas croire que tu le fais par tes propres forces. Et que tu as eu le travail par tes forces, et que tu vis par tes forces, tu vas croire que les enfants sont à toi. Tu vas croire que ta femme là, c'est ta femme, donc elle est à toi. Ah, bien aimé. Quand tu penses encore comme ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de notion, il n'y a pas Dieu dedans. De Dieu n'est pas dans ta façon de penser, dans ton système de pensée. Dieu n'est pas dans ta vie. Tu penses que Dieu t'a donné et il ne prend pas le contrôle. Dieu, quand il te donne quelque chose, il garde la main dessus. Tout ce que Dieu te donne, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Quand Dieu te donne un enfant, tu prends l'enfant,
mais lui aussi il tient la fin. Quand Dieu te donne une épouse, tu as l'épouse et lui aussi il tient l'épouse. Quand Dieu te donne un travail, tu as ce travail, mais lui aussi il tient ce travail. C'est pour que tu prennes conscience, tu n'es qu'un administrateur. Il veut que tu arrives à ce niveau et que tu réalises que c'est lui qui commande. Si tu veux, tu oublies Dieu, alors tout commencera à aller de travers. N'oublie pas Dieu, n'oublie pas le Seigneur. Il est le maître, il est le propriétaire. C'est lui qui est le maître, c'est lui qui dirige, c'est lui qui bâtit. Quand tu as ce profond respect, cette révérence, cette humilité, alors tu arrives à la maturité, tu arrives à la maturité, tu arrives à la maturité. Alors quand tu vivras, tu sauras que ce n'est pas à toi. Les études que tu es en train de faire, ce n'est pas à toi. C'est pour Dieu, c'est pour servir le royaume. Tu vas prendre conscience que nous sommes réquisitionnés. Réquisition divine. C'est ce que j'entends. Réquisitionne-moi, 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 réquisitionne-moi. Réquisition de moi, réquisition de moi, réquisition de moi, réquisition de moi, réquisition. Je suis à toi parce que je vais prier sur cette terre et je ne peux prier qu'en toi, Christ. Je ne peux pas prier en dehors de toi, Christ. Viens me repositionner, viens accorde-moi la grâce d'être, de prendre conscience de cette parole. Réquisitionne-moi, réquisitionne-moi. Oh, je te demande. Oh, je te demande. Réquisition. Oh, oui, je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur. Réquisition. Oh, Seigneur. Réquisition. 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 Est-ce que tu es en train de dire réquisition? C'est la venue. Tu es en train de laisser le plein pouvoir au Saint-Esprit, afin de pouvoir te prendre le relais, de te faire avancer, de te faire avancer dans cette dimension de la vie de l'Esprit. Parce qu'il veut te, il veut faire des espoirs avec toi. Il veut que tu opères des miracles, des signes, des prodiges. Parce que il veut que tu puisses marcher sur la terre, le ciel ouvert. Alors c'est pour cela qu'il veut travailler ta conscience, pour te dire, ah, laisse le contrôle au Saint-Esprit, laisse le contrôle au Saint-Esprit. Oh, c'est pour cela réquisition, 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 réquisition.
Bien-aimé, lorsque nous disons réquisition, c'est une prière. C'est la prière pour que tu deviennes mature. Pour que tu puisses lui dire, j'ai compris. Je ne ferai plus cette, je n'aurai plus cette folie qui est attachée à mon cœur, qui était attachée à mon cœur, qui me faisait croire que mon travail, c'était mon travail et que je pouvais faire ce que je veux en règle. Non, Dieu t'a positionné dans ce travail pour prier. Dieu t'a positionné dans ce travail pour être une étoile brillante. Une étoile brillante qui brille avec les caractères de Christ, avec la diligence, l'excellence, pour que les hommes et les femmes de ton travail puissent reconnaître le caractère de Christ, de reconnaître qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe avec toi, afin de leur préparer leur cœur au surnaturel. Parce que nous sommes des miracles, des signes et des prodiges. Ah bien-aimé, tu es un prodige annoncé. Amen. Tu es un prodige annoncé. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Là où tu es, tu dois savoir que tu es un prodige. Tu es un miracle, un signe et un prodige. Amen. Parce que tous les jours, Dieu peut faire de miracles dans ta vie. Amen. Tous les jours, Dieu fait de miracles. Même dans ton travail, tu peux voir le miracle dans ta vie. Ah bien-aimé, tu es un prodige annoncé. Dans cette saison de la vie de l'esprit, nous devons voir plus de miracles, des signes et des prodiges. Parce que nous décidons d'être réquisitionnés, de laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, diriger nos vies, gouverner toutes choses, bâtir, parce que nous reconnaissons. Et nous sommes des serviteurs doulos. Donc ça veut dire que un serviteur doulos, il n'a pas d'ambition, il n'a pas de volonté, il n'a pas de volonté. Il est mort à lui-même. Quand tu es réquisitionné, ça veut dire que tu ne peux plus faire des choses pour toi. Tu fais des choses pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu es réquisitionné? Bien-aimé, lorsqu'on réquisitionne les stations de service, lorsque le gouvernement réquisitionne les stations de service, tu es propriétaire de ta station de service, mais le gouvernement vient La France, l'État français vient réquisitionner la station de service. Ça veut dire qu'ils prennent le contrôle de cette station. Alors tu ne peux plus faire ce que tu as envie de faire, parce que tout ce que tu fais sont dictés par les autorités supérieures. Alors bien-aimé, laisse-toi, oh Kabashaya, être réquisitionné, parce que tout ce que tu feras, on sera dicté par l'autorité supérieure, l'autorité de Christ. Et ton Dieu, Akabashana, quand il prend le relais, quand il prend le contrôle, alors il te fait marcher dans la dimension de la vie de l'Esprit. Et le Saint-Esprit fera des miracles, des signes et des prodiges dans ta vie, parce que tu as décidé de pouvoir dire, oh réquisition, de moi réquisition. Réquisition. Adabosh, adabala,
disposition. Parce que je veux te laisser toute la place. Je veux te laisser diriger ma vie. Je n'ai pas de volonté, je n'ai pas d'ambition, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas faire des choses de moi-même. Je veux que tout soit dicté par le glorieux Saint-Esprit. Dicté pour qu'un vacha. Oh yala patabara. Viens dicter toutes choses. Viens dicter toutes choses. Viens dicter toutes choses. Viens dicter sa vacha da baba baba boshaya. Oh la vacha da baba baba boshaya. Réquisition. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Jean 10, à partir du verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le, nous franchirons. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Bien aimé, cette parole, ce passage est en train de dire, Dieu a donné les brebis à Jésus le Christ. Il a dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça veut dire que quand Dieu donne, il tient. Jamais Dieu peut te donner quelque chose et il se désengage. Jamais. Si tu prends conscience, quand Dieu te donne les études, une formation à faire, quand ça vient de lui, il tient cette formation. Ah, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas compris. Alors tu n'as pas t'inquiéter. Tu ne t'inquiète pas. Parce que ton Dieu est là. Quand il te donne un enfant, il te donne un bébé dans le ventre. Ne t'inquiète pas. Quel que soit le médecin ce qu'ils disent, quel que soit Wakandavache, tout ce qu'ils peuvent dire concernant l'enfant, ne t'inquiète pas. Parce que c'est Dieu qui t'a donné l'enfant. Alors, il tient ce bébé dans le ventre. Au temps convenable, il verra le jour. Il verra le jour en bonne santé. Parce que notre Dieu, il tient le bébé dans le ventre. Quand le Seigneur te donne un travail, quand ça vient de lui, ce travail est tenu par lui. Même si tu es combattu dans ce travail, même si on te fait des misères, souviens-toi de celui qui t'a donné ce travail. Alors dis simplement, tu recommandes ton sort, confie-toi à l'Éternel. Recommande ton sort, mets à lui ta confiance. Et lâche-le. Rappelle-lui
Rappelle-lui, c'est toi qui m'as donné ce travail. Quand tu m'as donné, quand tu donnes quelque chose, je sais que tu es là. Parce que moi, je ne suis qu'un intendant, je ne suis qu'un administrateur. Rien ne m'appartient, tout appartient, tout est à toi. Alors moi, je gère à partir de toi. Nous sommes cohéritiers. Alors, tout ce que tu fais, c'est bon. Tout ce que tu fais, c'est très bon. Jamais tu donnes quelque chose et que la chose se pourrit. Jamais. Est-ce que tu serais un Dieu des morts? Non, tu es le Dieu des vivants. Quand tu donnes, alors tu veilles à ce que tu as donné reste en vie. Quel que soit, même si on te dit ton corps est souffrant, quand des beaux chers, c'est lui qui t'a racheté. Il s'appelle Jésus le Christ. Il y a ta brochette là-bas. On t'a dit ton corps est souffrant. Pense à celui qui t'a racheté. C'est lui qui tient ton corps. C'est lui qui tient ta santé. Il tient ta santé. Il tient ta santé. Quel que soit le diagnostic des médecins, quel que soit ce qu'ils disent, ce corps appartient à ton Dieu. Alors tu vas voir que leurs diagnostics seront négatifs, confondus, parce que notre Dieu nous fait toujours triompher en Jésus le Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, tu es fidèle? Jésus est fidèle. Bien aimé, élève la voix
et rends grâce à Dieu pour la fidélité des dieux. Est-ce que tu peux lever la voix un instant? Andavosha, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la fidélité des dieux? Acclame, 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 acclame. Est-ce que tu peux dire bravo à notre Dieu? Bravo à notre Dieu. Bravo, Zaya Devo. Est-ce que tu peux dire bravo, bravo? Bobo Shanda Baba Baba. Yenge Brache, Yenge Baba Baba. Yenge Yana Bosh. Est-ce que tu peux pousser des cris pour le Dieu fidèle? Yenge Brache, Shanda Baba Baba Bosh. C'est lui qui tient. Quand il donne, il tient. Quand il donne, il tient. Il ne lâche pas, sa main est ferme. Alors bien-aimé, cette église est inspirée par lui. C'est lui qui a donné cette église. Allez, vos chemins, je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est lui qui a donné cette église. Amen. Alors cela veut dire, il tient cette église. Amen. Il tient cette église. Amen. Et impact centre chrétien massif par les eaux et tenu par lui. Quels que soient les assauts de l'ennemi, rien ne pourra nous nuire. Parce qu'il nous a donné l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ce qu'il a dit, il accomplira. Ses projets de paix et de malheur se manifesteront. Parce que notre Dieu est fidèle. Il a dit, Mega Church, nous y arriverons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce qu'il tient. Il tient cette église. Il tient cette église. Tous les projets qu'il inspire, alors il tient. Tout ce que tu as à faire, tu dois prendre conscience, arriver à la maturité et te dire, je te laisse la place. Je reconnais, ce n'est pas moi. Je reconnais, ce n'est pas moi. Je reconnais, c'est une œuvre surnaturelle. Je reconnais, c'est toi qui fais. Ce n'est pas moi. Il n'y a rien à moi. Rien. Rien de moi. C'est lui qui fait. C'est lui qui bâtit. C'est lui. Quand tu as cette disposition de cœur, quand tu penses comme ça, tu es arrivé à la maturité. Tu as quitté l'enfance. Alors, tu as pris conscience qu'il t'a racheté esprit, âme et corps. Tu as pris conscience que tu es co-héritier. Tu as pris conscience que tout ce que tu as, Dieu tient les tiens. Alors tu n'as plus à t'inquiéter. L'inquiétude s'enfuit. Les lamentations s'enfuient. Les lamentations se taisent. Les voix de l'ennemi se taisent parce que c'est fini. Tu es mort à toi-même. Tu es rentré dans le repos. Tout ce qui reste, c'est la dimension de la vie de l'esprit. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des bouchers, des bouchers. T'as débauché et débauché. T'as débauché et débauché. Galates 4.
nous montre un enfant qui devient mature et qui change la manière de voir les choses. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je faisais comme un enfant, je priais comme un enfant, je servais comme un enfant. Je n'avais pas pris conscience que cette maison est ma maison. La maison du Seigneur est ta maison. L'œuvre du Seigneur est ton œuvre. Ce n'est pas l'œuvre du pasteur, ce n'est pas l'œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur. Alors quand tu dis je suis un fils, alors le fils demeure dans la maison. C'est-à-dire le fils prend soin de tout ce qui est dans la maison. Le fils n'est pas indifférent de ce qui se passe dans la maison. Le fils a reçu le fardeau du Père. Un enfant, il attend au Père. Donne-moi. Donne-moi. Mais un fils qui a reçu le fardeau, il décharge le Père. Amen. C'est pour cela que le fils est dans la maison. Le fils se préoccupe des affaires de son Père. Le fils essaie toujours de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Le Fils est connecté au Saint-Esprit parce qu'il veut recevoir les renseignements. Il veut savoir tout ce qui est en train de se passer. S'il y a des complots qui sont en train de se faire, le Fils est au courant parce qu'il doit protéger l'œuvre. C'est pour cela que c'est marqué, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette femme? Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils. Parce que le fils reçoit les renseignements pour protéger, pour décharger. Les fils reçoivent le fardeau du Père. Le Fils est connecté au Père. Quand le Père reçoit, le Fils reçoit pour décharger. Pour bâtir le tabernacle, Moïse, Dieu a pris son esprit, il a déversé sur Bezaliel et Oliab pour bâtir le tabernacle. Parce que Moïse ne pouvait pas tout faire lui-même. Dieu fonctionne toujours avec le Fils. Un Fils décharge. Un fils est conduit par le Saint-Esprit. Un Fils, il est fort. Il a vaincu le malin. Un Fils, aspirons à cette dimension. Des serviteurs doulos. Parce que dans cette dimension, l'Église prospérera. Et notre Dieu est fidèle. Il est en train de susciter dans cette maison les fils, une armée de fils, une armée des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes et qui s'attendent à leur Dieu. Tu es est-ce que tu peux encore le dire? Tu es
Élève la voix, tu dis que moi je veux rentrer dans cette dimension. Parce que pour vivre la vie de l'esprit, la condition, il faut être d'abord un fils. La vie de l'esprit, un enfant ne peut pas vivre la vie de l'esprit. Un enfant ne pourra pas y arriver. Parce qu'il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit. Alors, élève la voix et quand décide de pouvoir être déterminé pour rentrer dans cette dimension des fils. Les fils ont un cœur circoncis. Les fils, oh, ils sont forts. Ils ont vaincu le malin. Ils ont vaincu le malin. Yandabrakababababouch et que déboshanaba. Les fils ne sont plus dans les péchés. Ils ne vivent plus une vie de péché. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Non, ils sont forts. Ils sont forts, les fils. Yandabracha. Est-ce que tu peux lever la voix? Yandabracha. Sois déterminé afin de pouvoir renverser Yandabracha. Tout ce qui t'empêche de rentrer dans cette dimension de fils. Des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes. Et des hommes et des femmes, et des qui ne regardent pas leur vie, qui ne se regardent pas leur vie. Et des rochers, des continue à élever la voix. Et des beaux rochers, des bababababos. Je refuse de rester bébé. Je refuse de tomber, de me relever, non. Je refuse. Parce que tu as vu, les fils sont forts. Les jeunes gens sont forts. Seigneur, fortifie-moi. Parce que je veux rentrer dans cette dimension. Je veux rentrer dans cette dimension, mon fils. Parce que je vais être conduit par le Saint-Esprit. Je ne vais pas être conduit par la chair. Je ne vais pas être conduit par mon âme. Je ne vais pas être conduit. Je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Donnez-moi un cœur circoncis. Accorde-moi la grâce d'être assoiffé de toi. Assoiffé, désiré de toi. En feu. C'est le pouvoir. Donne-moi être un fils. Qui demeure dans la maison, qui demeure dans la présence de Dieu, qui reste devant la face du Seigneur. Et des beaux chayas, et qui n'ont pas le cœur partagé, qui soient intègres. Je vais être un fils. Conduis-moi par ton esprit à
conduis-moi, conduis-nous, conduis-moi. Ah, Seigneur, je m'abandonne. Conduis-moi par ton esprit, conduis-nous. Parce que je veux être un fils, Seigneur, conduis. Je ne veux pas marcher par la chair, conduis-moi. Je te supplie, conduis-moi, Seigneur. Je veux être un fils. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Ah, je ne veux pas être conduit par mes émotions. Je ne veux pas être conduit par mon âme. Je ne veux pas être conduit par mes sentiments. Conduis-moi, Seigneur, par ton esprit. Accorde-moi la grâce de développer la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle, elle est bien à voir. Au rabat, demande la sensibilité spirituelle. Demande la sensibilité spirituelle. Nous voulons, nous désirons. Viens, Seigneur, imprimer dans nos cœurs la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. Donne-nous être sensibles. Conduis-moi. Et quand la roche, viens. Donne-nous un cœur sensible à toi, conduis-nous, Seigneur, par ton esprit à des rochers. Nous voulons plus de sensibilité, la sensibilité spirituelle, plus de discernement. Viens déverser le discernement dans cette église, dans la vie de mon frère. Le discernement, donne les discernements, le discernement, nous voulons discerner, discerner, Seigneur, je t'en supplie. Afin de vos chaînes, la sensibilité de nos gauches, que les écailles tombent de nos yeux conduits. Nous voulons te voir, Akabacha, nous voulons être des hommes et des femmes, que la présence des dieux, conduit par le Saint-Esprit, amené, transporté par le Saint-Esprit. Nous te supplions, conduis. Ne nous laisse pas au niveau charnel. Nous ne voulons pas rester en bas. Nous voulons monter, monter à la montagne sainte, à la maison de prière. Demeurer au quotidien. Accordez-nous la grâce de monter plus haut, plus haut. Conduis-moi à Tada, parce que nous voulons être sensibles au Kabachaya. Nous ne voulons pas, Seigneur, au Kabach, marcher avec l'excès des tables, avec le péché. Non, nous ne voulons pas les soucis du monde nous empêcher de pouvoir entendre le son de ta voix. Conduis. Les soucis de ce monde, les soucis de ce siècle présent. Non, Tada, Tada, Baba, Baba, Kabachaya. Accorde-nous la grâce de nous affectionner aux choses là-haut. Il y a des brochets, des maillots, conduis-nous. Conduis cette église, conduis cette église à une autre dimension. Est-ce que tu peux dire conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous, conduis cette église. Amène cette église au bon port. Amène cette église à la dimension de méga church. Toi qui nous as, tu nous as positionnés au large. Tu nous as placés au large. Viens nous conduire. Conduis cette église. Conduis les membres de cette église. Conduis tous les membres. Amène-nous plus haut. Pour emmener-nous plus loin. Amène-nous au Kabachaya. Accorde-nous la grâce d'être consacré. Consacré pour toi. Est-ce que tu peux dire conduis-nous? Conduis-nous. Est-ce que tu entends de lever la voix et de prier? Priez pour ton frère, priez pour ta sœur, parce que le Seigneur, la grande Aboshaya, est en train de pouvoir tous ensemble nous emmener quelque part. C'est pour cela que nous désirons au Kabachaya, une armée de douloureux, une armée de serviteurs douloureux qui se lève. En marche, au caboche des baïa conduis. Une armée qui se lève, Bakababamos, une armée des soldats de Christ qui se lèvent pour pouvoir emporter, pour pouvoir prendre possession de Massy. Des villes environnantes. Akabashanababababouche, Yekanabakababababouche. Amène-nous au bon port, amène-nous au
Abonnez-vous. Que la faiblesse, l'assoupissement soit banni de nos vies dans le nom de Jésus. Toute forme d'assoupissement soit banni dans le nom de Jésus. Soit réprimé, réduit à néant dans le nom de Jésus. Alors élevez la voix contre toute forme de fatigue, toute forme d'assoupissement, toute forme, yéneroshaya. Tout ce qui te rend lourd, tout ce qui te fatigue, tout ce qui t'empêche, décide de te lever afin de pouvoir yadarosha, rendre à néant, réduire à néant toute forme d'assoupissement. Afin yadarosha, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Yadarosha, reçois la force du Seigneur, reçois la force. Reçois la force, reçois la force, reçois la force du Seigneur ce soir. La vigueur du buffle, la vigueur du buffle, tu reçois ce soir. Le Seigneur est en train de te réparer. Il est en train de te réparer. Il te répare. Il te répare. Il te restaure. Il te restaure. Il te répare. Il te donne la force. La repos. Il te communique la force. À la vigueur. Remplis-nous jusqu'à débordement. Remplis-nous jusqu'à débordement. Parce que nous voulons être conduits et revêtus du Saint-Esprit. Parce que nous voulons prendre possession de cette ville. Nous lever pour évangéliser. Bien-aimés, il y a tellement eu d'assoupissement dans cette église. Pour se lever, pour aller gagner des âmes, c'est devenu compliqué. Non. Alors, jamais. Ah, nous devons refuser. Nous devons refuser. Le cœur de Dieu bat et pleure pour le salut des âmes. La priorité de nos vies doit être gagner des âmes. Nous ne devons pas faire le service minimum, non. Attendre les âmes. En football, on n'attend pas le ballon, on va chercher le ballon. On ne peut pas attendre les âmes jusqu'à ce que les âmes arrivent, non. Nous devons nous lever pour sortir. Assez, c'est assez. Nous devons nous lever pour sortir et aller gagner les âmes. Et ne pas attendre un programme corporate, un programme, non. L'évangélisation est un style de vie. Un style de vie. Un enfant de Dieu doit se préoccuper des autres, des enfants qui ne sont pas revenus encore dans la photo des familles. Parce que tu as été sauvé pour sauver. Tu n'as pas été sauvé pour toi-même, non. Tu as été sauvé pour être enrôlé dans une armée. Tu as été enrôlé dans une armée. C'est pour cela dans ce passage de 2 Timothée 2.
2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire souffre avec moi? Souffre avec moi. Souffre avec moi. Souffre avec moi. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut pleurer, il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence. Nous devons souffrir pour lui. Il a souffert pour nous. Nous aussi, nous devons souffrir pour ceux qui sont au dehors. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été enrôlé dans l'armée des cieux. Andabashata, l'armée du royaume. Dans cette armée, l'objectif, c'est aller faire une mission de sauvetage des âmes. Ramener les âmes, les brebis perdues, à la maison. Ramener les âmes à la photo de famille. Notre cœur doit battre, nos cœurs doivent battre pour ça. Doivent battre pour ça. Alors, bien-aimés, tu dois refuser. Refuser de t'assoupir. Refuser d'avoir une vie conforme au monde. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À savoir, discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce que Dieu veut, il veut que nous soyons toujours agréables. Ça veut dire faire la volonté de Dieu. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est de voir les âmes revenir dans la photo de famille. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi ce cœur. Ah, donne-moi ce cœur. Oh, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Ce cœur de gagnant. Ah, donne-moi ce cœur. Donne-moi ce cœur. Ce cœur de gagnant. Donne-moi ce cœur. Ce cœur. Ce cœur de celui qui gagne les âmes. Ce cœur de celui qui prend conscience qu'il a été sauvé pour sauver. Accorde-moi la grâce. Je veux être un gagnant d'âme. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire donne-moi. Transforme-moi, Seigneur, je t'en supplie. Accorde-moi la grâce d'être un gagnant d'âme. Qui est enrôlé dans l'armée du Seigneur.
de partir en mission de sauver ta jeunesse. Donne-moi Seigneur, Seigneur d'adorer. Seigneur, Seigneur, véritable adorateur. Seigneur, des véritables intercesseurs. Seigneur, des gagneurs d'âme, je t'en supplie. Seigneur, oh, qui marche par l'amour. Seigneur, je t'en supplie, je veux ton cœur. Sur la terre et Dieu ne prend pas plaisir à ta vie, alors tu passes à côté. Nous devons toujours faire la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas être dans la joie si le cœur de Dieu pleure pour le salut d'une âme. Accorde-nous la grâce d'être connecté à ton cœur et de discerner. Et tu veux que nous puissions sortir et gagner les âmes. Que ce soit notre style de vie, accorde-nous la grâce, Seigneur, de gagner les âmes. Accorde-nous la grâce, nous te supplions. Alors tu vas élever la voix pour l'Église. Élever la voix pour recevoir ce cœur. Donnez-nous ce cœur. Donne-nous ce cœur, oh donne-nous, Seigneur je t'en supplie, donne-nous ce cœur, donne-nous ce cœur, donne-nous ce cœur, donne-nous ce cœur, Seigneur nous te supplions, parce que nous voulons voir les vies transformées ici à Massy. Nous voulons voir les âmes passer des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, je t'en supplie, suscite des gagnants d'âmes. Suscite dans cette église des gagnants d'âmes. Aïe, 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 ne nous laisse pas ce niveau. Ne nous laisse pas indifférents. Ah, Seigneur, je t'en supplie. Alors qu'il y a beaucoup qui meurent et qui partent à l'enfer. L'ennemi est en train de faire un carnage de haut. Nous ne pouvons pas nous contenter à vivre pour nous. Nous ne pouvons pas nous contenter à rester entre nous. Attendez-nous la grâce d'aller chercher ceux qui sont au dehors et les ramener dans la présence de Dieu dans le monde. Allez, gauche, Seigneur, je t'en supplie. Ne nous laisse pas ce niveau. Une opération chirurgicale dans le cœur. Viens nous greffer ton cœur, Seigneur, je t'en supplie. Allez, ce cœur de gagnant d'âme, ce cœur d'évangéliste, ce cœur pour que le royaume, pour que ton royaume puisse se répandre avec efficacité et que ta parole puisse aller partout. Donnez-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir évangéliser massivement, arriver à la dimension évangélisation massive des âmes ici à Massy. Donnez-nous la grâce, Seigneur, nous te supplions. Ne nous laisse pas, Seigneur, à ce niveau. Pardonne, pardonne nos manquements, pardonne. Élève la voix pour demander pardon. Pardonne nos manquements. Pardonne. Parce que nous n'avons pas écouté, nous n'avons pas suivi, nous n'avons pas obéi, nous n'avons pas. Pardonne, Seigneur, nos manquements. Pardonne nos défaillances. Parce que nous étions indifférents. Viens changer le cœur. Enlève le mauvais cœur. Enlève le mauvais cœur. Enlève le mauvais cœur. Donne-nous un cœur à toi, Seigneur, je t'en supplie. Donne-nous ce cœur, le cœur des dieux qui pleure pour le salut des âmes. Ce cœur de berger, ce cœur de berger, ce cœur de berger. Attendez, donnez-nous ce cœur
intelligent. Afin de recevoir la révélation de où nous devons aller. Afin d'aller là où tu veux nous envoyer. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions pour que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson. Donnez-nous ce cœur intelligent, je t'en supplie. Nous voulons ce cœur intelligent, ce cœur. Parce que nous voulons opérer avec l'esprit d'intelligence, l'esprit de révélation. Viens Seigneur révéler, révéler des programmes d'évangélisation, des programmes en permanence, un programme en permanence. Révèle dans ton église. Suscite des gagnants d'âme. Suscite des hommes et des femmes qui reçoivent le fardeau de l'évangélisation dans cette église. Seigneur, nous te prions. Seigneur, donne un cœur vaillant, un cœur conquérant, un cœur déterminé, un cœur persévérant, un cœur qui ne lâche pas pour sortir, pour aller gagner les âmes, confronter. Parce que l'ennemi fait un carnage. Il y a beaucoup qui sont emportés à l'enfer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir ce cœur conquérant. Le cœur conquérant. Viens d'abord, Seigneur, nous te supplions, donne-nous. Donne-nous. Partout où nous sommes, dans notre environnement, dans nos maisons, dans nos voisinages, partout où nous sommes, mais inculque la mentalité de gagnant d'âme. Inculque la mentalité de gagnant d'âme. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir ce cœur. Nous te supplions. Ah, élevez la voix, tandabashandababababush. Continue à soupirer, parce que l'Église doit rentrer dans une dimension où les quatre choses importantes que Dieu attend. Nous devons accomplir, chaque membre de l'Église doit faire les quatre choses importantes. L'enseignement reçu par, donné par pasteur Christian, qui parlait des quatre choses importantes qu'un enfant de Dieu doit faire, doit accomplir. Un serviteur de Dieu doit faire, doit accomplir sur la terre. Quatre choses importantes. Quatre choses que Dieu attend. Les choses que Dieu attend. Dieu n'attend pas autre chose. Dieu veut ces quatre choses. La première chose, il faut que tu te formes afin de pouvoir accomplir ce dont il t'a suscité sur la terre. Kandaba Shandaba. Alors tu dois te former afin de rentrer dans le couloir de ta destinée. Chaque membre de cette église doit faire des formations pour rentrer dans le couloir de sa destinée. Deuxième chose, chaque membre de cette église ou chaque star doit arriver à faire l'intercession. Parce que dans le cœur de Dieu cherche l'intercesseur. Il cherche des intercesseurs supplicateurs, intimes de Christ. Sacrificateur. Pour intercéder pour le fardeau des dieux. Un intercesseur n'a pas besoin de titres, il a besoin du fardeau. Que des hommes et des femmes soient suscités dans cette église pour recevoir ce fardeau de l'intercession dans le nom de Jésus. Troisième chose, un gagnant d'âme. Un serviteur doit être un gagnant d'âme. Tu ne peux pas,
passé toute une année sans avoir gagné au moins une âme. Même une seule âme. Ce n'est pas possible. Si tous les membres de cette église avaient gagné une âme, si tous les stars de cette église avaient gagné une âme, à la fin de l'année, on serait doublé. Le nombre des membres de l'église aurait été multiplié. Chaque star, chaque serviteur travaillant activement dans le royaume doit être un gagnant d'âme. Dans son agenda, doit avoir le calendrier du jour où il sort avec ses collègues, ses confrères, stars, pour aller gagner les âmes. Gardez vos chats, comme nous avons fait pour l'intercession. Quatrième chose, chaque star, chaque serviteur de Dieu doit être capable de pouvoir sortir et aller visiter les frères et sœurs de l'église. Dans le calendrier du star, tu dois avoir dans le calendrier du mois, dans ton agenda, la date où tu sors avec tes confrères pour aller visiter les frères et les sœurs. Voilà les quatre choses que chaque star doit avoir dans son calendrier. Est-ce que nous pouvons acclamer les choses? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Chaque mois, tu dois au moins faire une formation. Chaque mois, tu dois faire au moins. Tu dois passer une ou deux fois à l'intercession. Chaque mois, tu dois faire au moins une ou deux sorties d'évangélisation. Et chaque mois, tu dois faire au moins une ou deux visites pour intégrer les âmes. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alors, nous, en agissant ainsi, nous allons accomplir, comme a dit Pasteur Christian, les choses essentielles que Dieu attend pour un serviteur de Dieu. Gardez vos chants, remplis, parce que nous voulons accomplir la mission. Nous voulons accomplir la mission. Nous voulons faire ta volonté sur la terre. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être rempli. Rempli jusqu'à débordement pour être conduit par toi. Rempli, conduit, revêtu par toi. Fais de nous, Seigneur, tes serviteurs doulos qui ne résistent pas à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et tu peux rendre grâce? Est-ce que tu peux rendre grâce? Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Est-ce que tu peux prendre vos chandails et les bouchers, vos chandails? Remplis. Et tu peux dire merci, 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 merci Seigneur pour ce temps, merci parce que ce soir tu nous as parlé, parce que ce soir tu nous as fait du bien, parce que ce soir tu nous as interpellé. Tu as commencé à donner le programme. Merci. Le programme, Seigneur, de la maturation. Merci. Et de l'expansion. La maturation et de la croissance. Le programme de la maturation et de la croissance. Afin de voir l'expansion de ton église. Merci. Pour passer d'une dîme à la méga-church. Merci. À ta débauche.
Shaddai. Ah, merci. Merci. Comment ne pas être reconnaissant, merci. Merci. Pour ce que tu as fait aujourd'hui, pour ce que tu as fait ce soir. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire merci? Merci. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, 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 acclame. Merci. Est-ce que tu peux acclamer mieux que ça? Acclame mieux que ça. Notre Dieu, il nous a fait du bien ce soir. Merci. Lui qui nous a fortifié, au caboché des bails. Lui qui nous a parlé, lui qui nous a fait du bien. Merci. Lui qui nous a assuré, parce qu'il a dit, il tient cette église. Merci. Il tient la vie de mon frère et de ma soeur. Il tient tout ce que nous avons, tout ce qu'il nous a donné, il le tient, il le tient. Merci. Cette église est celui qui a donné, alors il tient cette église. Allez, alors nous allons voir les grands cabracabas dans cette saison, la maturation et la croissance. Alors l'expansion devient possible. Merci. Parce que nous allons accomplir les quatre choses au cabrachai, nous former, intercéder. Gagner les âmes et intégrer les âmes au brachet de Baba Maloche. Faire des âmes des disciples enfermés de Christ. Merci. Comment on dit au chant de Baba? C'est pour cela que nous disons merci. Merci. Toi qui nous as fait du bien, merci, merci. 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 Acclame, 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 acclame. Merci. Est-ce que tu peux pousser des cris? Merci. Au cœur de vos chants. Il est bouché de ma Merci. Ah, quelle grâce de reconnaître que ta main nous a secourus, ta main nous a délivrés, ta main nous a guéris. Ah, tu as endommagé l'ignorance, tu as endommagé l'ignorance. Alors, désormais, nous prenons conscience que tout est à toi. Désormais, nous prenons conscience que tout est à toi. Tu nous as fait passer le cap de l'enfance à la maturation. La maturation, parce que nous sommes des hommes et des femmes, des douloureux, des serviteurs maintenant. Nous savons que tout est à toi. Nous sommes co-héritiers, nous avons été rachetés. Là, nous sommes co-héritiers. Oh. Ah, c'est toi qui agis, nous te laissons le plein pouvoir. Tu nous propulses alors à la dimension de la vie de l'esprit. Nous sommes reconnaissants, Père. Pour ton amour, pour tes grâces, pour tes compassions, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, ce soir, tu nous as fait du bien. Kadavash, merci Seigneur. Nous recommandons, Seigneur, la vie de toutes les personnes qui sont venues intercéder, qui sont venues supplier, qui sont venues crier à toi aujourd'hui. Que ta main soit étendue sur la vie de chaque personne. Ta main soit éteinte. Souviens-toi, Seigneur, de chacun au carrefour de ses besoins. Souviens-toi, Seigneur, de tout et chacun. Seigneur, souviens-toi de chacun. Que ton sang parle pour chacun. Que ton sang parle pour chacun. Toi qui connais les défis de chaque membre. Toi qui connais les défis de chaque personne qui est connectée à cette plateforme, souviens-toi de chacun au carrefour de ses besoins. Que ta main demeure étendue, Seigneur. Que tout ce qui est de l'ennemi soit brisé dans le nom de Jésus. Que le bras du diable soit brisé dans le nom de Jésus. Que toute personne malade soit restaurée, guérie dans le nom de Jésus dans son corps. Que la vie de Dieu patrouille du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Merci Seigneur pour la restauration, pour la guérison du vie, pour la vie qui patrouille du sommet de la tête jusqu'à la plante du pied. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui.
C'est pour cela que nous te disons merci. Amen, 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 à Jésus le Christ, amen, à ce que tu as livré, amen, amen, au Saint-Esprit, amen, merci Papa, merci pour tes bontés. Amen, amen, amen. Amen à cette famille spirituelle que nous formons. Amen, amen à cette église merveilleuse que nous formons. Amen, amen au Père spirituel que nous avons, à nos apôtres qui nous propulsent dans notre destinée. Amen, 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 amen à ce que tu as accompli. Amen, Seigneur, aux témoignages qui sortiront. Et dans cette église, les cascades des témoignages. Parce que tu t'es manifesté. Parce que tu nous as fait du bien. Et nous allons voir les témoignages. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Alors que nous clôturons ce temps, nous recommandons le retour entre tes saintes mains. Que nos vies soient toujours dans ta présence. Que nos vies soient cachées avec toi, Christ en Dieu. Que le sang de Jésus parle pour chacun. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus et Christ, nous avons ainsi prié avec action et grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière, l'atmosphère de prière prophétique qui a été bénie ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, il nous a fait du bien.